Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce 82e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle mystérieuse et étrange. Bonsoir, Dino. Bonsoir, Antoine. Comment vas-tu? Très, très bien. Alors, ça me fait plaisir de te revoir là depuis 15 jours. Tu m'avais manqué. Alors, ce soir, Dino, on va recevoir, en dehors de toute notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses qui seront là tout au long de la soirée, nous allons recevoir deux invités. En deuxième partie de soirée, nous recevrons Déborah de Déborah TV, qui est une médium et qui viendra nous présenter sa chaîne. Mais pour commencer, nous allons recevoir Luc Côté, qui est un auteur ufologue, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle OVNI, la piste du fer. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Alors j'en profite pour remercier José Bouillon, hein, qui nous a mis en contact et qui nous a permis de découvrir un petit peu ce livre. Alors, tu vas nous le présenter en profondeur, mais en deux mots, tu as une théorie qui est vraiment très intéressante et qui tient la route en plus. Tu fais une relation entre, on va dire, l'apparition d'OVNI et la situation en dessous, quoi, au niveau de ces apparitions, la possibilité qu'il y ait des mines de fer. Tu vas nous expliquer tout ça. Oui, voilà, si tu veux, c'est un très gros lien, un très gros rapprochement que j'ai fait petit à petit, parce que évidemment, moi au début, je trouvais ça un peu absurde, hein, comme histoire. J'ai eu du mal à le croire, mais petit à petit, ce sont les faits qui sont enchaînés, qui ont fini par me révéler ça, quoi. Hein. Et tu vois, ça faisait à peu près une petite dizaine d'années que j'avais trouvé ça, donc j'ai fait quelques vidéos. Et puis c'est vrai qu'avec José, on a un peu relancé de parler de tout ça. Donc il a fini par aboutir enfin à écrire ce livre. Et puis aussi, en retravaillant dessus, j'ai découvert encore d'autres éléments qui ne font qu'aller dans ce sens-là, quoi, ouais. Ah, donc le fer terrestre serait bien à l'origine d'une bonne partie. Alors je dis pas tout parce que je veux pas être là, je ne le pense pas, mais une grosse partie de la présence d'engins, ouais, ils viennent ici pour ça, ouais. Comme notre planète est c'est une des ressources importantes de la planète, il était légitime en plus de nous voir pour quelque chose qu'on avait en abondance et non pas qu'on avait en rareté. Le courant qui est assez répandu aujourd'hui dans l'ufologie, un courant qui a d'ailleurs été porté par Zachary Sitkin, c'est que les extraterrestres viendraient par rapport à l'or. Ils auraient besoin Oui, par d'or pour exemple, oui. pouvoir sauver leur planète. Et en réalité, toi, tu penses pas que, en tout cas, ça peut être possible, mais c'est pas la raison principale. Non. La raison principale, voilà, c'est vraiment ce minerai de fer. Ouais. Qui en plus le fer a toutes les propriétés magnétiques possibles et imaginables. Oui. Et c'est là-dessus où toi tu fais la Oui, si corrélation. tu veux, si tu veux, c'est la, à la, alors, je veux pas me la. Si tu veux, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que moi, je pense avoir trouvé une théorie vraiment différente parce qu'elle repose sur les faits intégralement. Elle n'est pas parce que moi, des fois, j'en parle avec des gens, mais oui, mais pourquoi? Je parlais avec quelqu'un qui me disait, oui, mais pourquoi les extraterrestres viendraient chercher le fer ici et ils n'allaient pas le chercher sur la ceinture d'astéroïdes, tu vois. Je dis, mais moi, je veux bien, mais sur quoi repose le fait que les extraterrestres iraient chercher le fer là-bas, alors que ici, sur la planète, moi, je vais te dire, c'est confirmation sur confirmation. Et notamment, les gros axes de la théorie, ce sont la vague belge. Et la vague de l'Hudson River, les deux grosses vagues belges, les deux grosses vagues qui ont eu lieu au-dessus de dans les années 80, quoi. L'Hudson, ça commence en 82 et ça se termine 92 pour la vague belge. Alors, donc c'est les mêmes engins qui sont sur les mêmes régions. Et parce que alors le bol que j'ai eu moi entre guillemets en travaillant sur ce sujet-là, c'est que pour la Wallonie, parce que la vague belge, c'est pas la vague belge, c'est la vague wallonne. Au début, je ne comprenais pas, j'entendais toujours parler de la vague belge, et ça ne concerne que la Wallonie. Cette théorie, si vous voulez, elle a la différence des autres, parce que, on peut parler d'hologrammes, on peut parler de tas de choses, mais
ça, tout ça repose sur rien en fin de compte. Alors que là, cette théorie du fer, et moi, si tu veux, je n'en aurais pas parlé, je ne l'aurais pas émis comme une vraie théorie si elle n'avait pas été appuyée sur les faits. Ça n'aurait aucun intérêt. Parce que moi, j'ai trouvé quelques cas au démarrage, ça a démarré avec un ou deux cas, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, mais c'était sur les régions au-dessus du fer, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Et quand je me suis rendu compte que la vague belge, qui est en fait la vague wallonne, puisque c'est la Wallonie qui est concernée, qui est entièrement dédiée, la Wallonie est entièrement dédiée à l'extraction de fer, mais à un point inimaginable, hein, là, je me suis dit, ouais, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe avec cette histoire de fer. Alors après, ça pose des tas de questions, hein, pourquoi le faire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils en font, ça après ça fait l'objet d'hypothèses. Et quand je mets donc parallèle avec les engins qui étaient à très basse altitude sur la vague belge, ça m'a rappelé la vague de l'Hudson River. Et sur la vague de l'Hudson River, on a les mêmes engins sur la même région, parce que sur les comtés concernés par la vague de l'Hudson River, on est sur exactement les mêmes problèmes d'extraction de fer et avec une région extrêmement riche en gisements de fer. C'est là où se passe. Et alors là, ce qui est de génial, c'est qu'en reprenant l'enquête qui a été faite sur l'Hudson River, on a la confirmation. Là, c'est une preuve. Mais par contre, eux, ils savent pas, les enquêteurs de l'époque. Donc, il y a Bob Pratt, il y a Hynek et puis un troisième. Ils se rendent compte que les engins s'intéressent. Alors, la preuve, elle est par rapport dans cette enquête-là sur les réservoirs d'eau. Il y a des réservoirs d'eau sur le Hudson River qui sont les réservoirs d'eau de la ville de New York, sur les toupes à l'île de New York. Hein. Et ils ne comprennent pas pourquoi les engins sont au-dessus des réservoirs. Parce qu'il y a des réservoirs, parce qu'en fait, c'est des lacs. Quoi. Et il y a des réservoirs naturels, et puis on en a creusé d'autres pour augmenter les capacités d'eau de la ville de New York qui a des problèmes d'eau. Et ils ne comprennent pas pourquoi les engins survolent les réservoirs artificiels. Et il y a 512 cas de survol à très basse altitude, hein, c'est genre 5-6 mètres, avec ils envoient des rayons, on suppose que ce soit des espèces de scans du fond. Et ils ne comprennent pas pourquoi, jusqu'au moment où Bob Pratt va faire la petite enquête tout seul, il va mesurer le magnétisme du réservoir artificiel qui est bien plus élevé que le magnétisme des réservoirs naturels. Et là, il en déduit que il y a plus de magnétisme parce qu'il y a plus d'oxyde de fer, le F3O4, qui est là parce qu'on a dynamité la couche supérieure de basalte et donc, au fond, c'est du minerai de fer en affleurement. Et il en déduit, lui, qu'ils sont là pour ça, mais il ne dit pas que c'est pour le fer, il dit que c'est pour le magnétisme. Donc, il imagine, c'est là où mon avis, c'est un peu compliqué parce qu'on peut tout imaginer. Il imagine que c'est parce que c'est une espèce de porte qui donnerait genre de porte dans l'espace, etc., à cause du magnétisme. Mais moi, je dis, c'est le fer. Et c'est parce que quand on voit les deux régions, la Wallonie et l'Hudson, le seul point commun qu'elles ont, c'est le traitement du fer, et c'est le fer en surface. Et là, évidemment, ça donne vraiment l'armature de toute la théorie. Et ensuite, après, on extrapole. Alors après, on peut extrapoler sur des cas comme Rendlesheim, comme on l'a fait avec José, enfin que je l'avais fait dans la théorie. On peut extrapoler sur ce qui se passe dans les volcans mexicains actuellement. Pourquoi est-ce qu'il y a des ovnis qui pénètrent dans la gueule des volcans? C'est pour aller chercher au fond ce qui est au centre de la Terre, c'est du fer et du nickel. Pourquoi est-ce d'Allen? Pourquoi est-ce, etc. Et là, il y a une grosse théorie qui se met à jour et qui révèle cette histoire de fer, quoi. Et que personne, effectivement, personne ne l'avait vu avant moi. Un coup de chance ou je ne sais pas, c'est un truc bizarre parce que je pense qu'on ne l'avait pas vu parce que c'était un truc banal. Quoi. Voilà. Oui, ben oui, c'est ça. Le fer, c'est extrêmement banal. Comme le fer est très répandu sur Terre, voilà. on ne s'est pas imaginé que c'était ça. C'est un matériau précieux, donc on ne va pas s'imaginer que des intelligences supérieures vont faire des milliards de kilomètres, traverser tout l'espace pour aller chercher quelque chose. Voilà. Est-ce que tu sais... banal Alors, effectivement, donc, le noyau terrestre, comme tu l'as très bien dit, il est essentiellement composé de fer et de nickel. Est-ce que tu sais quelle est la concentration de fer dans l'univers? Est-ce que finalement, le fer, c'est quelque chose de très répandu? Grosse question. Oui, voilà. Alors évidemment, moi, si tu veux, Je ne suis pas de ceux qui prennent tout ce que dit la science actuelle officielle pour pain béni, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même la science la reconnaît elle-même, on ne sait pas trop. Alors, la théorie actuelle, c'est que le fer apparaît dans les supernovas,
c'est-à-dire au moment de, dans des étoiles plus massives que la nôtre, parce que nous, le fer qui serait là ne serait pas là. Je ne suis pas convaincu de tout ça, hein, mais bon, c'est la théorie la plus admise actuellement. Donc, le fer qui serait là serait du fer qui viendrait de la première génération de supernova. Mais quand on regarde les supernovas, il y en a très peu. C'est un événement très rare. Il n'y en a pas tant que ça, parce que je crois qu'on en a trouvé une dans les années 80. Ça paraît être faible, être peu. Et en plus, en sachant bien que le fer a une affinité avec l'oxygène, il disparaît, il se détruit jusqu'au cœur par la rouille. Hein. C'est une denrée, je veux dire que ça fond au soleil presque. Hein. C'est un truc très. Alors, notre vision, elle est déformée parce que nous, on en a en abondance, mais pas ça, puisque je crois qu'actuellement, les données, les ressources, on en a pour jusqu'en 2089-90. Alors, le truc, c'est qu'il y a du fer partout, il y en a beaucoup, mais pas en concentration suffisante. Et nous déjà, à partir de ce moment-là, 2100, on va commencer à se poser la question à savoir est-ce qu'on en a suffisamment. Et il y a des gens qui commencent à réfléchir à savoir est-ce qu'il va falloir aller le chercher ailleurs. Alors maintenant, toutes les hypothèses sont ouvertes. Le problème, c'est que moi, je pense aussi, par exemple, il n'y a pas longtemps, je regardais Star Wars, épisode de l'étoile de la mort, le 6 ou le 7, je ne sais plus. Bon, les gens courent après un plan. On est d'accord, c'est-à-dire que imaginons que nous, on soit, comment dire, pas colonisés, mais qu'il y ait déjà les gens soient là, des extraplanétaires soient parmi nous. Ils ne vont pas venir avec la matière première. Ils vont venir avec un plan, comme on le voit dans le film. Cours après un plan, le plan de l'étoile de la mort. Et quand je voyais le film, j'ai recherché toute cette matière première. Il y a un truc qui manque, c'est que pour construire l'étoile de la mort, qui est un truc immense, ben, le fer, il va falloir le chercher quelque part. Donc, à la limite, je me dis, moi, ici, mais si jamais le système solaire est déjà colonisé, il y a déjà une présence qui est là, qui vient de chercher les éléments pour construire, pas une étoile de la mort, mais des bases, des trucs, bah oui, il va bien falloir aller le chercher quelque part. Et aller le chercher à un endroit où c'est le plus facile, où le fer est en surface, dans une atmosphère qui est peut-être proche de ce que les gens connaissent. Possible. C'est pas seulement une histoire de ressources naturelles, mais peut-être une histoire de colonisation aussi, peut-être. On ne sait pas. Ça serait un autre scénario. Mmh, ouais, tout à fait. Et pas pas des plus sympas. Pas des plus sympas. Ah non, non. Ah non, mais en plus, alors tu vois, moi le problème c'est que le rêve, si tu veux, le masque tombe, le rêve avec. Parce que on était un peu le centre. On était auto-centré sur le sujet extraterrestre. On disait, ah bah oui, mais ils viennent, c'est pour nous. Ils viennent pour ils veulent pas qu'on se fasse trop la guéguerre, donc ils surveillent nos installations nucléaires. On est toujours au centre. Là, on ne l'est plus avec cette histoire-là. On n'est plus au centre. On est des espèces de. Bah, on est des autres présents sur cette planète. Et ils viennent chercher un truc. Nous, on est là. On est un peu les emmerdeurs, hein, mais voilà. Oui, c'est quoi. Ça, mais c'est comme les colons espagnols quand ils ont été en Amérique du Sud récupérer pour le coup de l'or. Alors, oui. Les indigènes. Ah oui, ils avaient les indiens sur place. Voilà. Et c'était tellement dérangeant. Quoique, ils ont servi de main-d'œuvre, mais. On ne sait pas. Mais ça ouvre tout un tas d'hypothèses. C'est vrai qu'il est moins glamour, moins sympa, quoi. Je veux dire, ouais, on se retrouve avec un scénario. Il correspond aux faits. Moi, je peux te dire qu'un seul truc, et c'est intéressant parce que c'est le premier qui est appuyé sur vraiment sur les deux grandes vagues d'OVNI, oui, après sur des cas, parce que les deux grands. Alors, en plus, il y a un truc qui est apparu petit à petit, et moi, ça m'a un petit peu ennuyé, c'est l'attitude américaine, quoi. Dans toute l'enquête sur la vague de Hudson, dans le bouquin, on voit bien qu'ils sont tous sur écoute. Et il y a un cas, il y a une histoire avec les anciennes mines de fer qui appartiennent au gouvernement, qui sont donc autour de la région de New York, puisque c'était vraiment une région très, très développée sur ce truc-là. Et il y a un trafic de véhicules qui apparaît, les types disent « on ne comprend pas », les habitants disent « on ne comprend pas », il y a des véhicules qui vont dans les mines et qui n'en ressortent pas. C'est comme s'il y avait des ovnis autour, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un truc bizarre. Alors, on ne sait pas, et il est possible. Alors, autre théorie, autre hypothèse, après… Ça, c'est un fait établi. Il y a un lien clairement établi. Maintenant, quel en est le. Moi, je les évoque dans le bouquin. Peut-être qu'il y a un trafic de matière première, que cette matière première qui nous est, nous, tout à fait banale, pour des
Les extraplanétaires est une ressource très recherchée et très rare. Et à ce moment-là, il y a peut-être eu un trafic, oui. Alors, je me suis amusé, j'ai commencé à faire des recherches parce que dans les années 80, on voit que les engins ont des lasers au sodium pour qui scannent les fonds. Et je sais qu'aujourd'hui, ça existe sur le planète. Et je suis en train de me dire, mais quelle est l'entreprise qui a mis ça sur le marché? Est-ce que ce n'est pas des Américains? Tu vois, il y a eu échange de technologies contre matières premières. À mon sens, les Américains, ils ont dû voir ce qui se passait. C'est impossible qu'ils n'aient pas vu l'intérêt de cette matière première. C'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Dis-nous, toi, de ton côté, du côté du continent américain, est-ce que c'est une théorie qui est arrivée jusqu'à vous? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que tu avais déjà fait cette remarque, cette relation entre le fer et... Mais justement, moi, j'avais des petites questions concernant ce raisonnement. En fait, je me disais, est-ce que tu as essayé de faire calquer ton raisonnement sur des cas plus anciens, en fait? Alors, des cas qui descendent, mettons, moi je pense dans ma tête, je pense carrément aux années 50. Tu vois, par exemple, est-ce que 1947, avec ce fameux, pour donner le plus connu, tu vois, Roswell, regardé si dans les kilomètres alentours, il y avait des gisements de fer ou des choses comme ça, tu vois? Voilà, exactement. Alors, oui, tout à fait, tu as raison, tout à fait. Moi, j'ai lancé les recherches à tout azimut, bien sûr. Alors, Roswell, non. Alors, Phoenix, tu vois, par exemple, les lumières de Phoenix, il y avait un truc qui m'intriguait, c'est que. Alors. Je voulais pas non plus, tu vois, Phoenix, c'est l'exploitation du cuivre. Mais je sais que le cuivre, par exemple, c'est comme sur Esdalen, il fait des gros dépôts de fer parce que le minerai dans lequel on trouve du cuivre, il y a du fer et du soufre. C'est le plus gros. Mais tu as 5% de cuivre, 100%, et puis tu as 60% de fer. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais des tas de fer à la surface, tu vois. Mais pour remonter encore plus loin, j'ai matché sur un truc, c'est Nazca. Nazca et Atacama. Les deux grands déserts, Chili et Pérou. Et là, je ne suis pas le seul à avoir trouvé pour Nazca. Je suis tombé, si tu veux, quand j'ai lancé Nazca FR, tout de suite, je suis tombé sur un truc. Oui, si tu veux, pour tracer les grandes lignes droites, on enlève la couche supérieure qui est plus foncée. Et en dessous, c'est plus clair. Au-dessus, c'est de l'oxyde de fer. Donc, c'est du fer et de l'oxygène, tu vois. Et ce qui manque, c'est l'oxyde de fer, c'est le fer. Ça va mettre en place toute une espèce de théorie. Toutes les lignes droites, là, en fait, c'est des traces de récupération. C'est-à-dire que l'engin, il passe à basse altitude, en ligne droite, il récupère. On voit qu'il y a, notamment sur Atacama, on a vraiment l'impression que ça a été curté, quoi, tu vois. On a enlevé l'oxyde de fer. Et quand j'ai fait cette recherche, je suis tombé sur un type qui avait été sur place. Il a un petit blog. Et il a été sur place, il s'est bien rendu compte, lui, il a regardé qu'effectivement, c'est bien, il y avait une histoire de fer là-bas, parce qu'en plus, il y a des usines d'extraction chinoise, je crois, auprès de Takama, il y avait des projets d'installation. Et alors, il y a des deux trucs sur Nazca, il y a les lignes droites, donc ça serait eux, et puis les Indiens sur place, voyant ces boules de lumière se déplacer comme ça, auraient dessiné leur animaux totémiques, puisqu'il y avait une grande caractéristique, c'est que les lignes droites traversent toujours les animaux. Et donc, j'imagine qu'ils ont tous, tu vois, mis leur sur le plateau leurs animaux totémiques, et en fonction du passage de l'un ou de l'autre, ça avait peut-être une signification, tu vois. Peut-être que l'un des totems où l'engin passait, je pense que c'est une interprétation des Indiens, alors, parce que les Nazcaïens n'utilisaient pas de fer. Ils n'avaient pas du fer, ni l'utilisation du fer comme colorant. Donc, il manque le fer, on ne sait pas où il est passé, quoi. Donc, ça remonte à Nazca, donc ça serait assez lointain. Par contre, après, sur des cas, Roswell, non. Rien. Dans le désert, le Nouveau-Mexique, non, rien. Donc, il y a des moments où c'était rien. Par contre, il y a des moments où c'était très clair, et notamment sur les deux grandes vagues de Venise. Alors, est-ce que ce sont les mêmes civilisations ou pas? Effectivement, celle-là, c'est les triangles. C'est les triangles belges, parce que les triangles belges qu'on retrouve de l'autre côté quelques années auparavant dans les mailles du Nord, qui survolent à basse altitude, ils cherchent quelque chose. Tu vois, c'était tout de suite, je me suis dit, mais un truc qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils foutent à 10 ou 15 mètres d'altitude? C'est pas possible. Tu ne fais pas de l'espionnage. Après, on dit oui, ils espionnent les centrales nucléaires, mais tu n'as pas besoin de venir à 10 ou 15 mètres.
Les U2 américains, ils se baladaient dans la stratosphère, ils espionnaient les Russes. Pas Oui, c'est besoin, sûr. surtout pas, de descendre aussi bas, tu vois, pour se faire gauler, quoi. Je veux dire, c'est une connerie. Donc il y avait bien quelque chose qui cherchait, tu vois, qui cherche. Il y a un truc, il y a un lien, il y a quelque chose. Après, tu vois, tu parlais d'extraction de minerais ou de ressources pour but de colonisation ou pour but de Ouais, on ne tue construction pas d'engins, après, ouais. etc. Mais moi, je me demandais aussi, enfin, ça me faisait penser à, je me dis, est-ce, parce qu'on sait très bien que les gouvernements aussi ont récupéré des machines, ont récupéré des engins, etc. Alors moi, ma question, c'est est-ce que tu t'es posé la question si ça pourrait pas être éventuellement aussi gouvernemental cette histoire-là, c'est-à-dire qu'ils utilisent des moyens technologiques avancés pour pouvoir extraire ce qu'ils ont besoin d'extraire, pour pouvoir travailler ce qu'ils ont besoin de travailler, sans nécessairement que ce soit au départ, oui, comme tu dis, par exemple, Nazca, c'est peut-être clairement genre des extraterrestres qui sont venus un temps coloniser ou un temps etc. visiter la Récupérer planète, ils ça, ont eu ouais. besoin, mais peut-être que les vagues, attention, je dis ça complètement au hasard, hein, mais que les vagues belges ou que les vagues c'est-à-dire des années 80, 90, c'est peut-être le gouvernement qui extrait ce qu'ils ont besoin d'extraire aussi, on ne sait pas. Alors, tu sais, moi, si tu veux, j'essaie évidemment d'analyser, de décortiquer ce problème-là. Et moi, ça m'a semblé être à un certain moment donné comme un coup de pression, tu vois, parce que, alors, qui concernait les États-Unis. Parce que quand on regarde bien, la Wallonie, c'est là où l'OTAN, c'est le siège de l'OTAN. D'ailleurs, c'est les AWACS de l'OTAN et ceux qui sont sur place. Évidemment, l'Hudson, c'est New York. Et puis, j'ai rapproché ça d'un cas aussi fameux, c'est le cas de la forêt de Rüdesheim, évidemment, puisqu'on est, on est sur un triangle, mais aussi sur une masse. Il y a une espèce d'œil à un moment donné, et le colonel Hall va parler de métal en fusion. Et en plus, on est sur une super zone, on est dans un sud-est de l'Angleterre qui est très riche en fer. Et là aussi, ce sont les Américains. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est comme s'ils avaient voulu leur foutre. Parce que, si tu veux, ils sont là sur sur ces régions. Là, c'est clair. Bon, maintenant, on sait que c'est ça. Il y avait un message là, c'est-à-dire, c'est ça qu'on cherche et vous n'avez pas voulu nous le donner. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu un clash entre Américains et eux. Tu vois. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et dit, vous nous avez fait chier, et ben, tu vas voir ce que tu vas voir, et ben, regarde la pression qu'on te met. Parce qu'il y a des moments, je veux dire, c'était visible. Ça se ressort dans les deux enquêtes. On dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? On dirait qu'ils se montrent. Tu vois, ils longent les autoroutes. Comme si vous voulez dire, tu as vu, on est là. On te fout bien dans la merde parce que va après toi. Alors, moi je pense pas que ce soit tout le gouvernement américain parce que si tu veux qu'on ait un truc vraiment sérieux et secret, on met pas tout le monde dans la combine. Tu vois. Il doit être quelques-uns, Oui. une poignée, tu vois. Je pense une poignée. Ça doit être une, allez, je dirais, je ne sais pas, hein, mais je dirais 4-5 personnes qui sont au courant. En plus, tu peux tout verrouiller. Hein. Tu veux dire, si tu caches les entités, tu les fous dans un coin. Pu se passer, tu vois, comme on voit dans les anciennes mines, des véhicules gouvernementaux passés, des camions et tout, je l'ai peut-être récupéré, du minerai et tout, mais les entités étaient peut-être cachées, donc eux, ils vont rien voir. Il n'y a que quelques personnes qui le savent, tu vois, donc ça s'intéresse. On peut tout à fait avoir caché ça. Alors maintenant, après la fameuse rétro-ingénierie, moi, je pense qu'il y a dû avoir des clashs entre eux et nous. Je pense que nous, on veut en savoir beaucoup plus. Que veulent pas tout veulent pas tout nous. Je pense pas qu'ils veulent tout nous filer, tout, tu vois, tous les secrets. Tout, je pense qu'il y a eu un moment donné, ils ont dit non, ça on vous le donne pas. Et je pense pas qu'on ait l'accès au voyage intersidéral entre les étoiles. Si on l'a, on ira foutre notre merde parce que franchement, je sais pas ce que tu en penses de la situation humaine sur cette planète, mais on est toujours en guerre, toujours en train de s'entretuer. Mais C'est certains toujours avancent la merde, hein. qu'on l'a, cette technologie, Donc, que certaines nations ont dealé avec c'est certaines sûr, entités pour l'avoir, c'est la preuve que il y a eu quelque chose, il y a eu des échanges, ça ressort. Bon, ça serait sympa que la poignée qui sait ce qui se passe de venir le dire, mais ils ne vont pas le faire. Non. mais non. Et ben non, ils vont être, si tu comprends, quand je regarde les Américains, souvent, tu sais, pour la divulgation, là, ils nous font tout un cirque avec ça, ça ne va jamais arriver. Je ne vois pas, moi, Trump dire, ah, au fait, je vous dis un truc, on a des Mais c'est contacts noyer le avec les poisson, en fait. entités. C'est noyer le poisson. C'est un Ouais, peu comme leur soi-disant je découverte de crois. l'eau sur Mars. Tous les 10 ans, ils nous ressortent la même histoire, comme C'est des si 10 ans conneries, quoi, avant, ça on avait sert à rien. oublié qu'ils avaient Non, découvert de l'eau, tu sais. non, non. En puis, attends, je vais dire, moi, ce que je pense sur Mars et tout ça, c'est une connerie parce que la vie, quand elle naît, elle se développe. Elle ne peut pas rester microbienne. C'est ce qu'on est là, c'est ce qui se passe, tu vois?
tu parles d'un micro-organisme qui devient une cellule, etc., et puis qui devient un mammifère, etc. Espérer trouver une vie microbienne qui serait restée comme ça à l'état, tu vois, c'est, à mon avis, c'est une connerie. Ça ne peut pas exister, ça. C'est où on a les, où on est nous, où il n'y a rien. Et je pense plutôt qu'il n'y a rien. Mais bon, je ne sais pas, tous ces programmes qui coûtent des fortunes, on va les laisser faire, les mecs, ils vont peut-être trouver quelque chose. Mais j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Alors, Luc, moi, j'avais quand même une petite question pour faire un peu plus connaissance avec toi. Ça, tu disais que il y a 10 ans, tu avais déjà fait des observations, etc. Finalement, toi, tu t'es intéressé à l'ufologie et à tous ces thèmes-là depuis combien de temps ? Alors moi, j'arrive sur le sujet en 2008, tu vois. Parce que moi, si tu veux, j'étais comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, pas comme vous tous, peut-être, parce que moi, j'étais comme le mec de base, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était des conneries, tout ça, tu vois. C'était pour rigoler, mais ça n'existait pas. Et en 2008, le GEPAN met ses archives. Et là, je regarde les dossiers, et là, je tombe de ma chaise, quoi. Je dis, ah, putain. Et je comprends pas, c'est que moi, je suis plutôt intéressé par ces sujets-là. J'adore, tu vois. Et comment se fait-il que tout m'ait échappé, qu'un dossier extrêmement sérieux et solide prouvait, tu vois. Moi, je n'en reviens toujours pas, et je ne comprends pas qu'on en soit encore à se bagarrer, à dire « Ah, ça existe !» Il y a des gens qui vous disent « Mais non, ça n'existe pas !» Alors, il y a plusieurs raisons, hein, attention hein. Il y a le traitement, absolument, le GEPAN, j'ai travaillé un peu avec eux. J'ai fait partie du premier, tu sais, il y avait un réseau de civils associé au GEPAN, j'étais un de ceux-là. Mais j'en suis revenu, tu vois, il y a une manière de présenter les choses qui n'est pas... C'est pas correct, quoi, à la limite, tu vois. Ce ne sont pas des phénomènes, tu vois, déjà, d'appeler ça des pannes, moi, je trouve ça déjà un glissement emmerdant, quoi. Parce que c'est des objets, et c'est pas des phénomènes. Donc, déjà, quand on décrète tout ça, déjà, tu donnes un sens au débat, tu vois. Tu n'en parles pas de manière. Donc, moi, je suis venu comme ça, et je me suis dit, non, mais avec tout ce matériel, il y a bien quelque chose. Comment est-ce que tu t'es arrivé jusqu'au GEPAN, tu sais, j'ai fait avec deux candidatures simplement, et puis j'ai été accepté, puis en même temps j'ai créé le repas ufologique clermontois, tu vois. Je pensais à l'époque, je le pense moins aujourd'hui, qu'il suffisait de communiquer pour que la vérité, que tout bascule. Je me suis aperçu que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'était pas aussi évident que ça, et que la com suffisait pas. Tu vois, alors après tu dis bon, tu dis autour de toi partout, non mais attendez, vous avez vu, il y a des preuves, il y a des traces radar, des traces au sol, des preuves, il y en a à foison, en fait, c'est une réalité. Et autour de toi, il y a, dans ton boulot, tu vois, qu'est-ce que t'as fumé la moquette, qu'est-ce que tu nous fais avec tes ovnis, c'est des conneries. Mais non, t'es là en train de te battre autour de toi, tu dis mais non. Non, c'est pas des conneries, c'est loin d'être des conneries, je veux dire. Alors quand j'ai fait le bilan, alors après évidemment comme l'hypothèse extraterrestre, elle faisait partie d'une des hypothèses. Et moi je me suis dit pour y voir clair, mais ça c'est l'attitude scientifique en fait. Hein. Comment voir clair sur un sujet, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le prendre en compte. C'est-à-dire que par exemple, moi je prends l'exemple du fameux débat qu'il y avait eu sur l'éther. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, à l'époque de Albert Einstein, il y avait un débat, c'était le vide ou est-ce qu'il y a de l'éther ? Et on ne savait pas. Et pour savoir, on a dit, si l'éther existe, voilà ce qui va se passer, il y aura des conséquences. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre la même chose, c'est-à-dire les extraterrestres, qui est la plus valable, la plus cohérente dans tout ça, je la prends en compte et je vais bien voir. Ce qui se passe, c'est que oui, on voit qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un lien qui remonte à la surface avec une matière première qui nous paraît. Alors nous, vraiment, moi je reviens toujours pas. Je me dis, au début, je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas un truc pareil. Alors je cherchais, je retombais sur un autre truc, je dis, merde, encore, oh là, c'est pas vrai. Et puis au bout d'un moment, quand la vague belge est tombée dans l'escarcelle, je dis, oh, c'est pas possible, oui, il y a vraiment. Il va falloir se faire à cette idée-là, si tu veux, tu vois. Et donc, j'y suis venu comme ça. Et puis, cette recherche-là. Alors, au début, j'avais fait d'autres recherches, etc. Mais toujours en me disant, utilisons les données qu'on a déjà
Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un débat, j'entendais beaucoup autour de moi des mecs dire « Ouais, non, mais les données ne sont pas bonnes, ce n'est pas scientifique, ça n'a pas été… » Tu vois, il y avait l'histoire des bonnettes de Jean-Pierre Petit, là. Bon, d'accord. J'ai été témoin d'un truc où j'ai même pas eu, j'avais tout ce qu'il faut sous la main, je n'ai même pas été capable de faire une seule photo. Comment déjà, je me suis dit « Ouais, si j'avais la bonnette, c'est même pas la peine, laisse tomber. » Non, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. On a déjà beaucoup d'éléments, beaucoup de matière. Alors, on l'a pas, c'est pas parfait. Mais toute la science a toujours avancé avec des données imparfaites. Et puis, des données complémentaires viendront, etc., ou peut-être contrediront ce que je dis là. Tu vois, peut-être qu'on dira un jour, mais non, ce n'était pas le faire, c'est autre chose. Mais pour l'instant, avec les données que l'on a, qui sont importantes, et notamment les preuves sur la vaccination, c'est ça, c'est le faire. Ouais, c'est sûr. C'est clairement. D'accord. Et puis le raisonnement est logique, il faut bien leur donner une fonction, il faut bien leur donner une activité à faire, ces extraterrestres. Ils ne vont pas venir sur Terre juste pour se promener, faire le tour et repartir. Je veux dire, il faut bien qu'ils ramassent des trucs, qu'ils analysent des affaires. Bon, ben, ça semble logique, hein, je veux dire, le faire, pourquoi pas, je veux dire. Bah oui, mais après, il y a les mutilations animales, tout ça. Mais je pense qu'aussi, là, il y a tout un débat, tout un truc. Vraiment, moi, quand j'ai jeté un œil sur cette histoire-là, mais c'est énorme aussi tout ça. Il est possible qu'ils soient là, ils servent, dans ce dont ils ont besoin. Donc, on ne nous prend pas pour. Donc, on n'est pas, si tu veux, ce n'est pas nous qui sommes au centre de toute cette présence. Nous, on est là. Évidemment, ça emmerde beaucoup de gens. Moi, je le sens bien que. Parce que, si tu veux, comme il n'y avait rien de très concret de trouver encore, ça permettait à tout le monde de rêver, tu vois, aux extraterrestres, écologistes, gentils, machin, truc, je sais bien, tout ça, c'est formidable. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit ça. Hein. Pas de bol, on trouve un truc qui est moins. Alors, il y a quand même pas d'intervention. On nous laisse un petit peu quand même tranquille. Mais à condition qu'ils fassent leur business. Et tu vois, après, si on peut examiner ça, donc les anciennes traces de Nazca, puis les grosses vagues d'OVNI où on a serré sur ces deux fameuses régions super importantes, et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils se servent directement, ils ne demandent plus rien à personne, quoi. Notamment dans les volcans mexicains et puis Esdalen. Puis moi, ça m'a bien fait sourire pour Esdalen, parce que aussi, c'est une région. Il y a une histoire de mine. Il y avait une espèce de théorie avec des piles naturelles, un truc de connerie. Mais ce qu'on voit passer comme une espèce de plasma, là, c'est du fer, hein, puisque ça a été pris au spectrographe par les Italiens. C'est des composés de fer qui circulent. Alors, ça se trouve, ils se servent, ils pompent directement, quoi. Ils pompent directement sans même, tu vois, tranquillos, quoi. Donc, ils servent. Ils servent, ouais. Voilà. Bon. Ils sont plus forts, ils ont raison. Ah bah largement, parce que les tentatives qu'il y a eu, il n'y a pas photo. Hein. Mais enfin, on les a un petit peu emmerdés. Tu veux, c'est un peu le roquet qui va mordiller la cheville, notamment la vague belge. Hein. Là, on voit qu'on n'est pas au même niveau. Hein. Bon, en tout cas, Luc, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi sur cette piste du fer. Donc, je rappelle pour ceux qui seraient intéressés, il y a ton ouvrage OVNI, la piste du fer, qui vient de sortir. Sur le site Edilif, c'est l'éditeur. Hein. Il le garde quelques temps sur son site à lui. Bon, voilà. D'accord. Et puis, vous pouvez aussi retrouver l'interview que tu as faite avec José Bouillon. Tout, ouais. Voilà. OVNI, la piste du fer, l'incident de la forêt de Rennes-Lechlam. J'avais mal prononcé, mais c'est pas grave. Voilà, sur la chaîne de José Bouillon. Voilà. Ben, je vous remercie. Je te remercie, Antoine. Et puis, je te remercie. Alors, de m'avoir accueilli, m'a permis de parler de tout ça. Parce que moi, mon souhait, hein, tu vois, c'est pas tout le monde vendre des livres. M'en fous à la limite. Hein. C'est surtout de parler de ce truc-là, parce que si tu veux, alors, le gros apport de ça, c'est que ça confirme, si tu veux, je me suis rendu compte après, c'est que ça confirme la réalité de la vague belge, de la vague de Hudson, du Carnation. Ça leur donne tous un point commun et ça leur donne un objet commun. Et donc, ça a vraiment existé. On ne pourra plus dire demain, oh, la vague belge, c'était la blague belge, c'était les F-117, Rundelsheim, l'autre, c'était la lumière du phare. Non. C'était vraiment une confrontation avec ça, avec des civilisations extérieures qui viennent chercher ce truc-là. Voilà. Okay. C'est pas mal quand même, parce que si on peut confirmer tout ça, c'est énorme. C'est sûr. En tout cas, merci. Et puis je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt.